cette nouvelle édition de Réaction FR. Réaction FR, c'est quoi? On analyse puis on regarde des vidéos ensemble de musique. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur sur le projet Réaction FR, j'ai une vidéo de présentation là, sur ma page d'accueil. Et puis, aujourd'hui, on va analyser, regarder un nouveau clip qui vient tout juste de sortir. Ça fait quelques heures. Et puis, c'est un groupe qui est quand même assez populaire. Là, un instant, je vais vous présenter quelqu'un ou quelque chose. Une quelqu'un. Une minoune. Ah ouais, bientôt. Elle, à chaque fois que je prends ma caméra puis que je commence à parler, ben, elle se colle ou mon micro puis elle commence à miauler. Fait que là, on va aller en bas. Bon, on revenu en mouton. On va analyser puis regarder le nouveau clip d'un groupe qui est quand même qui a explosé, disons, l'année dernière et puis qui fait de plus en plus parler de lui. C'est un groupe qui se nomme The Who ou The U, qui est un groupe mongolien qui se spécialise dans les voix de gorge. C'est des voix qui sont très graves, puis qui sont d'une spécialité mongolienne. Et puis, la nouvelle chanson se nomme Song of a Woman. Et puis, elle a la particularité de présenter, de mettre en vedette aussi Lizzy Hale, la chanteuse et guitariste du groupe Hailstorm. Donc, je pense que ça va être bien. En gros, cette chanson-là va apparaître dans la version deluxe de leur album là, de J-Reg. Et puis aussi, sur cet album-là, ben, il y a une reprise de leur chanson, de leur propre chanson, de leur propre succès qui se nomme You, mais qui va être en duo avec Danny Case de From Ashes to New. Puis aussi, ben, il y a leur nouveau single qui se nomme Wolf Totem avec Jacoby Shaddix de Papa Roach. Donc, c'est cela. De où qui a explosé justement l'année passée avec leur style particulier. Puis bon, mais c'est aidé un peu par des groupes plus exotiques qui sont sortis ces dernières années. Fait que. Puis ça le fait que les gens sont plus curieux avec de la musique qui vient d'autres pays. Tu sais, autant un artiste comme Baby Metal qui vient du Japon, Bad Mate qui vient du Japon, Dimash Kulaberghan qui vient du Kazakhstan. Donc, c'est ce type d'artiste-là fait que les gens sont de plus en plus intéressés à entendre de la nouvelle musique, puis aussi des nouvelles sonorités. Des affaires plus exotiques, mais qui restent quand même soit du rock, soit du metal, soit de la pop. Fait que c'est ça. On y va avec The Who, Song of Woman, featuring Lizzy Hale of Hailstorm. Yeah.
C'est vraiment excellent, c'est une bonne balade exotique, mais en même temps, c'est rock, c'est une bonne balade rock, une power balade, mais avec un côté traditionnel mongol ou asiatique, c'est vraiment, 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 vraiment bon. Puis tu sais, ces genres de voix-là, c'est quelque chose de quand même assez impressionnant. Et puis, si vous aimez ce type de musique-là aussi, je vous conseillerais un autre band, un band japonais qui fait dans le rock, mais avec un côté folklorique traditionnel. Ça se nomme Wagaki Band, qui est aussi dans ce genre-là. Et puis, pour revenir à Do, c'est excellent. Aussi, j'oubliais, c'est une vidéo réaction, fait que ça, vous avez écrit, fait que si vous voulez voir, oui, écoutez vous-même la chanson sans m'entendre parler. Vous allez sur ma chaîne, ça va être, vous allez dans la liste vidéo critiquée, puis vous allez pouvoir l'écouter au complet. Mais c'est vraiment une excellente chanson. Aussi, si vous aimez la voix de Lizzie L, vous devez absolument écouter son groupe qui s'appelle Hailstorm. C'est vraiment un excellent groupe hard rock. Puis ils font une excellente reprise d'une tune d'AC/DC. Puis aussi, si vous aimez sa voix, elle est aussi a fait un featuring avec Lindsey Stirling aussi, qui est une joueuse de violon. Pop, puis elle fait des chorégraphies là. Et puis la tune c'est Share Me là, c'est vraiment vraiment excellent parce qu'elle a une voix puissante, Lizzie Earl, là. C'est vraiment là, quelque chose là, de t'sais, elle a une voix originale puissante, puis vraiment, puis elle est rock, t'sais, c'est une bonne chanteuse rock.
une bonne progression aussi là, dans la tune qui a commencé bien mollo, qui a un refrain power, balade au bout, puis là que ça s'en vient, que ça progresse un petit peu plus, ça devient un peu plus rapide. Puis la réalisation du Yo est vraiment. C'est un clip de garage là qu'on appelle, ou un clip d'hangar, autrement dit, un fond noir, puis on voit simplement le groupe performer. Mais la cinématographie et la réalisation est vraiment bonne. Les prises d'image, tout là, c'est top-notch. Bon, encore une fois, c'est une excellente chanson de Who. Puis, on a un ajout vraiment intéressant avec la voix de Lisa Hale. Et puis, ça me fait penser un peu de. C'est la musique traditionnelle, mais sauf quand même avec un son occidental. Parce que la production, c'est une production occidentale. C'est vraiment là, du gros son rock, pas quasiment hard rock. Et puis, c'est pesant, tout le kit. Fait que c'est cet arrangement-là entre le traditionnel mongolien qui se merge ou qui se réunit avec la musique occidentale. Puis ça fait un superbe mix. Et puis j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de mix de même de musique étrangère avec de la musique pop, rock ou metal occidental. T'sais, ça serait vraiment. Puis aussi le contraire, mélanger aussi des fois peut-être que des artistes pop, rock ou metal occidentaux, comment aller faire peut-être aussi eux autres de la musique plus exotique pour t'sais, faire une tune plus japonaise ou plus coréenne ou plus mongole. Pour peut-être ces pays-là, puis leur montrer aussi qu'ils sont capables d'aller chercher une certaine émotion là-dedans. Mais c'est vraiment, vraiment une bonne chanson. Fait que c'est ça, c'était Réaction FR. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, cliquez sur le petit pouce bleu. Ça m'aide à monter dans l'organigramme YouTube. Après ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous abonnez. Ça, si en vous abonnant, ben quand vous arrivez sur votre page YouTube, vous allez voir mes clips. Et puis, si vous aimez ce que je fais, ben, puis que vous voulez suivre ce que je fais, vous cliquez sur la petite cloche, puis ça, ce que ça va faire, et vous cliquez la petite cloche, tout, puis tout ce que ce que ça va faire, c'est que vous allez recevoir les notifications. Aussi, si vous voulez me supporter, j'ai une page Patreon. Là, je prépare une page Facebook. Aussi, je vais avoir un PayPal, puis de la crypto-monnaie. Fait que c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. On se dit à la prochaine. J'ai peut-être deux autres vidéos qui s'en viennent là, prochainement. Là, peut-être pour faire ça d'ici la fin de la nuit. Fait que je vous remercie d'avoir regardé. On se dit à la prochaine. C'était Réaction FR.